Salutations, salutations. Ah, c'est bien votre serviteur José Boloa, l'international. Bienvenue dans votre émission Espace Dialogue avec moi, Josué Boloa. Nakatia, Cape Town, Mada City, Boebigara, Cape Town, Afrique du Sud, Paya Mandela. Donc, vous comprenez que la réalité est Marambebele, Nakatia, Congo. Je ne sais pas où allons-nous, Nakatia, Mboka, la musique chrétienne, le monde chrétien, ils ont la crise, Mboka, Sakanate. Alors aujourd'hui, je vais encore vous analyser dans cet épisode qu'est-ce qui se passe dans le monde chrétien. Hier, c'était Peniel. Hier, c'était Mike Kalambay. Avant-hier, c'était Moïse Mbi avec Eliane. Aujourd'hui, c'est Michel Bakenda. Je ne sais pas qu'est-ce qui ne va pas. Alors restez branchés sur www.congodialogue. Abonnez-vous massivement. Nos numéros seront affichés bientôt dans vos petits écrans. Tout le monde a vie, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui se passe? Non, vous êtes toujours la bienvenue. Alors moi c'est Josué Boloa, connectez-vous pour tobete la masolango qui a tort qui a raison. Lelo ya ye yebani et pas panzani mokile mobimba. O ayo sala ka obata manana mona ngopena na lobelango. Hein? Mbadi sans rancune. Tovana to solo mom kesu mamba mai kalambaye. Pena Michel Bakenda. Est-ce qu'il y a solo frère na biso pena to lapider penza? Ah, bola nana eloko. Après 12 ans. Merci. Merci. Maman Francine Gamet de la Belgique, merci à vous. Comme vous avez suivi dans la régie, dans notre introduction, nous allons aussi émettre notre avis pour vous informer, pour vous former, pour que nous puissions réfléchir ensemble dans cette situation qui se passe actuellement dans le monde de la musique chrétienne. De la musique chrétienne, parce que ce sont des artistes aussi que nous ne pouvons pas quand même ignorer, qu'ils ont l'art. Que nous bénéficions, nous les Congolais, nous les chrétiens, parce qu'en réalité, c'est que nous oublions que nous les Congolais, nous sommes une nation laïque, une nation là, il y a plein, au moins 85%, ou même 70%, ou 90%, ce sont des chrétiens. Mais ce qui est sûr, c'est que la situation a frappé la nation, qui, un de nous, Congolais, compatriotes, fils du pays, faisait un bon travail. Mais c'est presque tout le monde qui en parle. Ça devient comme si, bon, tout lapidé, bon, rara. Baba salanza malokuta. Yo! Et Moutanega Moutoua, qui croit en quoi? Donc voilà. Si vous pouvez chercher peut-être mon humble avis par rapport à ça, en tant que chroniqueur, en tant que présentateur, en tant que journaliste, en tant que journaliste d'investigation, bien sûr, parce que je ne fais pas des petites camps pour dire n'importe quoi, sans pour autant avoir des preuves et des faits réels, afin que je puisse vous amener sur le plateau et sur les médias. Ok, réfléchissons un peu, chers amis. Je sais qu'il y a tant de vidéos qui se font, beaucoup de gens parlent, beaucoup de sites internet en parlent, beaucoup de YouTube en parlent. Il y a de ceux-là qui deviennent même le sujet de buzz, bien sûr, c'est le monde internet. Après tout, tu ne peux pas, nous ne pouvons pas arrêter cela, mais ce qui est un peu écœurant est que Bissoba Kongole Tobo s'en a facilement, c'est ça le cœur de l'homme après tout. C'est ça le cœur de l'homme, mais je vais y revenir. Mais, dossier Peniel et Mike Kalambaye, ça s'était endormi et puis par après, Peniel est venu pour nous dire ce qu'il a dit, pour nous dire ce qu'il a dit là. Tu vois, bon, les gens ont condamné, ils ont même appelé Mike Kalambaye comme étant Mike Tyson, étant frappant, mais on ne s'est même pas posé la question, la femme avait, cette situation s'est arrivée quand elle était enceinte. Tu vois, elle a gardé ça. De un. De deux, elle a dit que tant elle a zémi, tout ça, elle saignait, quelque chose comme ça. À ce temps-là, ma question serait à Peniel, pourquoi tu n'avais pas révélé ça? Tu n'as pas mené ça à la justice américaine? Parce que je sais que même ici en Afrique du Sud, c'est les enfants et la femme. Tu vois, il y a tout un département, tout un ministère, n'est-ce pas, qui s'occupe de la femme et enfants. Et surtout ceux, les hommes qui sont abusifs vis-à-vis de leurs femmes, directement. Mais moi, je me suis demandé pourquoi à ce temps-là, la question-là, tu n'avais pas répondu. Ou vraiment, tu n'as pas répondu à cette question. Pourquoi tu as attendu cela? Tu vas nous dire l'amour, mais qu'est-ce qui a fait qu'à ce temps ici, tu puisses révéler cela? Pourquoi? Qu'est-ce qui t'a motivé? Un autre élément, Peniel, tu es la fille d'un pasteur. Moi, ma question, quelle est maintenant la position de papa? Papa de Peniel, ça c'est le message que je me pose, la question, je vous demande. Quelle a été ta position par rapport, quand tu as vu cette vidéo-là? Que ta fille, la fille du pasteur, dirigeant une église, si vous avez une église, ça, je ne sais pas, je n'ai pas de formation. Et sa fille se permet de passer à la télé pour exposer la cuisine interne de son mariage. Si ça n'a pas tenu, est-ce que vous avez eu le temps de le faire asseoir?
quel que soit, selon les déclarations de Péniel, que non, papa, ben, papa, vous t'as payé, que c'est lui qui a payé ces 40 dollars. Mais tout l'argent que Mike faisait avant, tu ne nous as pas dit ça, hein, pour dire que non, il t'a donné l'argent, bah, production, bah, ça, là, depuis que tu es tombé amoureuse de lui, tu ne nous as pas dit ça. Ce n'est que les 40 dollars là que tu as un peu vanté pour dire que non, tu as 40 dollars. Et les gens disent que Mike, quand tu es maman, tu vois, là, je vois un peu l'aspect conjugal. C'est déjà un défaut. Le vrai problème, c'est que tu ne t'es pas même pas préparé à ce mariage. Qu'est-ce qui t'a motivé à aimer Mike Alambay? Et qu'est-ce qui a motivé aussi Mike Alambay de tomber amoureux de toi? Et qu'est-ce qui t'a motivé à tomber amoureuse de Mike Alambay? Mais qu'est-ce qui fait que subitement, et puis maintenant ça clate? Parce que tu es connecté à Instagram et tout ça. C'est vrai que tu es encore une fille, tu fais ta vie, tu vis encore. Tu vois, moi, Bolingue, je suis là, je ne dis qu'on ne vient pas. Mais moi, je pose la question. Si, dis-moi, on t'avait préparé que le mariage, ce n'est pas une affaire des filles, c'est une affaire des femmes, ce n'est pas une affaire des garçons, le mariage, c'est une affaire des hommes. Si tu n'es pas encore préparé, n'entre pas dans ce domaine-là de mariage. Le frère qui tu me suis là, tu peux avoir beaucoup d'argent, mais si tu n'es pas encore préparé à s'engager, à vivre une vie avec quelqu'un, ne t'engage pas. Fais d'abord ta vie, prie. N'est-ce pas? La femme aussi de la même, les filles aussi de la même chose. Si tu n'es pas encore préparé à s'engager dans une relation que tu sais que cet homme, je veux passer le reste de ma vie avec lui, ou la femme, je veux passer le reste avec elle, qu'il pleuve ou qu'il neige, ne t'engage pas. Maintenant, il y a des bêtises. Maintenant, nous acculons Mike Alambay, nous acculons Péniel, le 2. Donc ça, pourtant, nous puissions réfléchir, chers amis internautes de Congo Dialogue et nos amis qui nous suivent en cet enseignement, en ce moment ici. Péniel, tu ne t'es même pas préparé. Je ne sais pas ce qui a fait que tu puisses tomber amoureuse. Parce que Mike était vedette. Peut-être. Maintenant, tu as vu la vraie facette de Mike en tant que personne, en tant qu'individu. Peut-être lui aussi n'était pas encore préparé pour le mariage. Peut-être pour des intérêts, peut-être matériels ou quoi que ce soit, je ne sais pas quoi. Parce qu'on nous parle que non, non, il fallait que. Ah bah la maman langue, tout ça. Bon, Azaki, non, vedette. Et puis il est toujours vedette. Comprenez? Maintenant, moi, je te pose la question, Péniel. Tu t'es marié à qui? À Kalambay comme. Marie ou tu t'es marié à Kalambay comme étant vedette superstar, comme étant artiste renommé qui vend beaucoup d'albums. Tu devais poser la question. De la même manière aussi les filles, Babassero Bozolanda, jusqu'à vous proposer, Moutazana Bambo ou Nazana Maza célèbre, tu les maries en tant que qui? Quelle est ta motivation? Tu vas les considérer en tant que qui? En tant que mari ou en tant que vedette? Si tu te maries avec la personne qui est vedette, en tant que vedette, là c'est une erreur. Parce que le jour que tu seras avec lui dans la même maison, tu dors ensemble avec lui, il ronfle ou il ronfle, tu veux dire, tu ne dois pas te rendre compte de ça. Tu dois te préparer sur ça. Tu vois? Donc, c'est une interpellation. Le dossier Péniel et Mike Alambay, ce n'est pas question d'acculer quelqu'un. Moi, je dis souvent, quand il s'agit de mariage, si tu n'es pas encore marié, tais-toi. Tu n'es pas encore engagé dans une relation, tais-toi. Tu fais des commentaires parce que tu ne connais pas. Sujet nanga lelo, on est kolobela, yé oyo. Yé bani na public, ya yé za na public. N'est-ce pas? Bon oyo salaka, na privé. Nananga lobela kango, pe nananga mona kango. Toba nga nzambe. Ça c'est mon sujet. Ya bango, to ya yé et yé bani na public. Yé bongo ya yo. Ya yé ya nani? Tozu exemple le couple Mike, Kalambay na Péniel. Elle a même changé le nom. Alors, réfléchissons, chers amis internautes, réfléchissons, chers Congolais, réfléchissons, chers compatriotes, chers Africains. Le dossier de Mike Alambay et Péniel, c'est un dossier très, très délicat. C'est un dossier de couple. Même ceux qui disent que non, Mike Alambay, a taïzon à Betaki, tant à Betaki a reporté tes poignets, parce que c'est la justice qui doit faire le travail. Tu n'as pas reporté ça, tu nous as fait des photos. Si Mike Alambay était violent, dès que tu as remarqué cela, pourquoi tu n'as pas dit de parler à la justice? Pour qu'on l'arrête, bah, parce que 100 mètres, bah, parce que c'est un mari violent. Donc, toi, tu t'es marié à une vedette, à un superstar, à une star, mais tu n'es pas marié à la personne de Mike Alambay. Tu ne sais pas, peut-être, elle n'était pas encore préparée à vivre dans un mariage. Parce qu'il y a des filles qui sont là, ils sont filles. Bon, bah, il y a un restaurant, mais ils ne sont pas encore préparés au mariage. Parce qu'il y a des exigences dans ces domaines-là. Voilà. Donc, c'est pour dire que moi, je me pose la question que je demande à vous, les téléspectateurs, vous puissiez me répondre. Le mari, le parent ou le papa de Péniel, c'est un homme de Dieu. Quelle est ta réaction quand tu vois ta fille passant à la télé disant ce qu'il a dit comme propos, qui a causé maintenant la buzz partout, au travers le monde? Mais quelle est la leçon? Je l'ai dit dans une émission qui est sur notre YouTube.
qu'est-ce que nous inculquons et qu'est-ce que nous préparons comme étant legacy, comme étant héritage à la nouvelle génération ou à la génération à venir? Est-ce que nous pensons à cela? On n'a pas encore pensé à cela. Donc, ce sont des questions, des préoccupations que j'ai voulu que nous puissions réfléchir sur ce dossier Peniel et Kalambay. Après avoir dit ça, qu'est-ce que tu as gagné? Et pourquoi mener seulement ça dans les réseaux sociaux? Parce que tu as épousé une vedette. Peniel, tu as épousé une vedette. Tu n'as pas épousé Kalambay comme Mike Kalambay en tant que personne. Moi, na kin penza. Ou épouser parce qu'il y a une star, il n'y a pas de l'ingo parce que aux États-Unis, bah par exemple, il y a une richesse. Mais quand tu dis que non, 40 dollars, c'est pour l'humilier. Mais l'argent que tu as bénéficié depuis que Bozana Bolingona Mike Kalamba, au bout du mois, il besoin mis balé. Est-ce qu'il y a personne qui a 40 dollars? Come on, soyons sérieux. Soyons sérieux, ma soeur. Soyons sérieux. Donc, ça, c'est une leçon. Nous, nous allons vous suivre. Moi, je te change les comptes Facebook et les comptes Instagram. Nous allons vous suivre. Si tu n'es pas encore préparé parce que tu as raté le mariage. Alors tu dois t'asseoir, attendre jusqu'à ce que tu te prêtes, tu te prépares. Va encore chez ton père, va encore chez ta mère, va titio, qu'on t'apprenne les secousses du mariage. Ton papa a combien d'années dans le mariage? Et toi tu penses que ton papa n'a pas vu les caprices de ta maman? Ta maman a combien d'années dans le mariage? Est-ce que ta maman n'a pas vu les caprices de ton père? Mais ils sont là ensemble. Il a marié la personne de ta maman. Et ta maman a marié la personne de ton père. Non, l'homme de Dieu, il a marié l'homme. Je ne sais pas comment s'appelle ta mère, ton père. Mais tout ça, tu n'étais pas préparé. Et c'est aussi une interpellation à tous les jeunes sœurs, tous les jeunes frères. Tu veux t'engager à une relation, tu dois bien te préparer toi-même. Tu aimes la vie de l'X, tu ne sais même pas préparer, tu ne bronzes pas les dents le matin, avant de dormir tu ne bronzes pas les dents, tu ne laves pas même tes couches, tes sous-vêtements, tu n'arranges même pas ton lit pendant que tu es encore chez tes parents, tu aimes la vie de l'X, les restaurants, tu ne sais même pas préparer, mais tu veux entrer dans une relation. Et puis lorsqu'il y a des retours, maintenant la personne que tu maries devient démon. Apprenons à cela, parce que après ça, qu'est-ce qu'après? On peut acculer des Mike Kalamba et des violents, tout ça. Mais il y a aussi des responsabilités que Peniel devait savoir. Je vais revenir avec Mike Kalamba après. Mais je parle de Peniel et de ses parents. Quelle est ta réaction en tant que parent face à ce qui se passe maintenant? Vous avez encouragé la fille? Bien sûr. Et qu'est-ce que vous avez gagné? La sympathie ou les sympathies des hommes internet, des réseaux sociaux? Est-ce que Dieu était d'accord? Il vous a confirmé que les gars des réseaux sociaux dit des bêtises que ce que tu as dit? Et ce que tu nous as dit aujourd'hui, ça date de longtemps. Tu as aimé Mike Kalambay telle qu'elle était. Star. Maintenant, tu as vu sa couleur. Et pourquoi tu viens encore nous dire ça pour tout ça, Namonine? Pour avoir les sympathies des gens sur Facebook ou Instagram. Moi, je trouve que c'est immature. Vraiment, c'est immature. Si quelqu'un est contre moi d'un point de vue, c'est ça tant mieux. Parce que je lis aussi des commentaires des gens. Ils ont acculé des Mike Kalambay, des démons, gégé, tout ça, tout ça. Mais le domaine des mariages, si tu n'es pas encore marié, tu n'as pas encore vécu une relation, tais-toi, mon frère, ma soeur. Tais-toi, Congolais, Vandanien. Le jour que tu vas être dans une relation, tu vois les noirs, tu vois les pires, tu vois les bonheurs, tu vas comprendre. N'est-ce pas? Et si tu n'es pas préparé, tu trouves que non, ça ne va pas marcher, arrête la relation. Mais tu as bénéficié de son argent. Aujourd'hui, on connaît Peniel parce que tu t'es épousé Mike Kalambay. On ne t'a pas connu Peniel après tout. On a connu Peniel Kalambay, on n'a pas connu Peniel Samba, si c'est quel est votre surnom. Tu dois tenir compte de cela. Tu vas dire à tes enfants quoi? Votre papa m'est tabassé, voilà ceci, cela, mais tu ne vas pas dire que ton papa, si j'ai beaucoup de beaux enfants, c'est à cause de votre papa. Vous n'allez pas dire ça. Dans tes propos, dans votre émission, vous avez beaucoup parlé du mal de Mike Kalambay. Mais tu n'as rien inventé de ses biens. Hein? Au lit, là, quand tu faisais l'amour avec elle, tu as entendu, tu as aimé Mike Kalambay. Attends, que c'est où je produis un enfant avec Mike Kalambay. Première fois au Botami, Chadi, après, au Botami, je réfléchis. Et je sais qu'il y a de ceux-là qui n'ont rien à faire, ils suivent cela et puis ils se sympathisent. Moi, je ne sympathie absolument à personne. Parce que je sais que le domaine des marais, c'est un domaine très sensible. Très, très sensible. Et malheureusement, ceux qui mettent trop de commentaires, là, ce sont des célibataires aussi. Ouais, mais ceux qui vivent dans une relation de mariage, ils comprennent qu'il y a les hauts et les bas. À part ça, Peniel, dis-moi un peu. C'est pour les meilleurs et les pires que tu as géré devant l'église, devant les hommes. Et les Congolais n'étaient pas là. Facebook n'était pas là. Instagram n'était pas là. Nous avons seulement vu votre mariage dans une salle un peu extravagante, tout ça. Vous avez, les catering étaient chers. Donc c'était un mariage luxueux.
Mariage luxueux. Mais tout ça, vous avez oublié. N'est-ce pas? Alors maintenant, tu te décides de te retirer de Mike Alambaye. Bozong, c'est le pembo, on est à Libal. Il faut maintenant appeler tout le monde. Bozong, si bison à salle, bato basé en États-Unis, avec un mariage. Bobenga, bango, baya, bazong, en salle. Mike Alambaye, bozong, c'est le pembo, on a yé. Bolo bagene, tu es méchant. Bo sal, ango, peignel, avec ta famille. Peignel, s'il te plaît, fais ça. Parce qu'on accule Mike Alambaye, c'est bien beau. Aza méchant, aza violent, la lutte contre la, tout ça, on a reculé des mots, tout ça. D'abord, oh, c'est une erreur, tu n'as pas amené Mike Alambaye à la justice quand il t'a tapé. Maintenant, tu passes dans les réseaux sociaux pour dire ce que tu as dit là. Bien sûr, tu as encore un enfant, une fille, reste là, tu auras une autre femme. Tu auras plutôt un autre homme qui viendra. Mais l'homme qui t'épousera là ou qui va t'épouser là, tu auras encore supporté ses caprices. Parce qu'on est au gaga. Moi, je trouve que peut-être tu vas un peu t'asseoir, prépare-toi pour jusqu'à ce que tu seras une femme mature, tu comprends ce que tu veux, tu sais pourquoi tu veux engager dans une relation et tu ne vas pas aimer l'homme parce qu'il est star, tu vas aimer l'homme tel que la personne est. Ses caprices, ses bêtises, ses colères, c'est tout ça. On comprend? Alors, pour le moment, pour que nous puissions croire ce que tu nous dis là, va dire aux parents, papa, tozong ana salo to loa ki to pese sub invitation. Comme ça, Mike Alambaye, tozong se le mbong na ye parce que ça, Mike Tyson. A Bettinga, lutte contre la femme, c'est l'abusement, tout ça. Bozong isang et puis ton monique dossier à clore. Mais si tu ne vas pas encore le faire, tu veux aller à la justice pour déclarer les divorces, là, on ne va pas croire ça. Et puis si tu divorces là, la Bible dit dans Luc chapitre 16. Soko divorcé ko bala lisu te peniel. Même Mike Alambaye, si vous décidez de vous divorcer, la mère de mes enfants, restez comme ça. C'est ça ce que la Bible dit. Comme tu dis qu'à Zaindumba, comme le cas infidélité, tu peux divorcer, tu as raison. Mais tu ne vas pas plus te marier jusqu'à ce que l'un de vous va mourir. Ça, c'est la parole de Dieu. Tu es passé dans les réseaux sociaux pour déclarer, chercher la serpentine, mais tu ne sais pas qu'il y a des conséquences. Quand tu te dis que non, on a divorcé, naïe, boke na l'état boussine, selon la Bible que vous avez juré avec Mike Alambaye, boti kalabon bobalate, soko bobale bo commettre adultère, vous êtes des adultères. Le jour où je vais voir Peniel se marier à un autre garçon, tu es un adultère, tu ne vas pas entrer au ciel, tu vas aller tout droit en enfer. C'est ça la parole. Luc chapitre 16, botan en outinase. C'est ça. Dans les réseaux sociaux, la mère de mes enfants, le père de mes enfants, il est violent, elle est violente, elle insulte, tout ça. Mais quand vous décidez de divorcer, là, surtout vous, les enfants de Dieu, entre guillemets, vous n'allez plus vous marier. Si vous avez dit que vous avez garçon, cette fois-ci, vous avez Instagram, vous avez dit que mais si vous avez commettre un dictateur. De la même manière avec Mike Alambaye, c'est ça la parole de Dieu. Luc chapitre 16. Si vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit ça, c'est le dossier Mike Alambaye. Donc, j'interpelle aux parents de Peniel de revoir un peu ce que la fille a fait. En tant que pasteur, si une des filles vient dans ton église avec des cas que Peniel a, comment tu vas traiter cela? Tu vas dire à la fille en question, mon diminon, qui est dans les réseaux sociaux, les cas dans Instagram, les cas dans Facebook, le bas qui est dans les violents. Mais ce qui a causé tout ça, vous ne savez pas. C'est pour là que j'ai dit que le domaine des mariages, c'est vraiment très sensible. Alors, toi qui mets des commentaires, mais tu n'es pas encore parvenu au mariage, s'il te plaît, tu vas dans la kimia. Concernant Mike Alambaye, mon frère, ça, Dieu, je crois qu'un de mes invités en avait dit, Dieu parle d'une manière ou d'une autre. Tu vois, peut-être tu as abandonné le Seigneur d'une manière ou d'une autre. Peut-être le monde des ténèbres s'est élevé pour faire ce qui pour n'a comme ma pression ou ma tribulation, qui sait, peut-être comme les gens disent que non baba tabando ki bosimba ba qui c'est tout ça, qui sait ce que simba ki nzambe na ko juger moi bolo bon panza Josué l'international à partir Afrique du Sud à Cape Town, je n'ai pas un mot à te juger parce que je sais que le domaine est marais, c'est très sensible. Je n'ai pas le démomètre ou la sorcellerie pour savoir que non musique obeta ko simba ba qui, je ne peux pas confirmer ça. Ceux qui confirment ça, ils ont leur raison. Et je sais que vous êtes adulte, mon frère Mike. Tu es un homme de Dieu. Tu es déjà pasteur. Tu connais. Bah, va, Isa Leloté. Tu as même chanté avocat. Donc, je n'ai pas à te juger. Je sais que tu sais ce que tu as fait. Tu sais ce que tu fais. Et j'ai dit encore que le reportage ou la vidéo que tu as fait, c'était précoce. Tu ne devais pas le faire. Même s'il faudrait le faire, la manière dont tu as formulé tes déclarations n'était pas fondée. Les Congolais, tant que tu es un homme public, surtout un pasteur qui bénit les enfants de Dieu avec votre musique, c'est dire seulement un pardon. C'est tout.
un cœur humble et repentant, Dieu agrée cela. Mais lorsque tu n'as pas un cœur humble et repentant, tu finiras par se pendre comme Judas Iscariote. Pierre et Judas, on est disciples à Jésus. Pierre, à Wangani Yesu, à comprendre, na salima be, à Kassing Bolimi, si Yesu a yambaye, nanzela nende église, banda église primitive. Judas, à teki Yesu, Yesu a tali à comprendre, na beti ma be, au lieu de se repentir, à souganeni, l'orgueil, ngai, moi je suis, Dieu m'a imposé le silence, Dieu m'a dit, papa, osa moutabatu, papa na ngai maki, tu es la personne des gens. Ta musique, t'es béni. Moi, j'écoute ta musique. Baba, bon, moi, Italie, bango. Moi, j'écoute ta musique. J'ai joué ça, je vais même jouer ça dans mon émission ici. Tu comprends? Un cœur repentant, tu dis, Seigneur, pardonne-moi, je rentre. Lamentation qui est le Elanzambe. Mike, on a besoin de toi, mon frère. Tes frères, nous sommes là pour te soutenir parce que nous comprenons que tu es un compatriote. Tu es une bénédiction pour le Congo. À ta base, on a n'importe quoi. Ou à bêta musique, à ma à Pambola, à Tazate. Kabato ba inoro yebko se planon na stade de Lubumbashi na Kinshasa na stade de Marti ba sidi na bango beta magana banda ko pambola ka bango ce sont des mêmes personnes tala Jésus-Christ aloba ki ngobi nga ko nzeta mobesu ba pharisien na lesi ba on a multiplié ba mapa ba li ka les mêmes personnes ba bi lapidele crucifier les vous comprenez donc mutazane ka mutu frère Mike comprend apaise toi s'il faut parler moi je te conseillerais. Viens dire pardon tout simplement. S'il faut même semblant de dire pardon, fais-le avec une expression d'humilité. Les Congolais vont te pardonner. Et puis, il ne faut pas revenir à ça. Mais côté mariage, frère, Bondela, Kobala Nante. Ne te marie pas encore, mon frère, pour l'amour du Christ. C'est dans Luc chapitre 16 que j'ai médité aujourd'hui. Quand il s'agit de divorce, tu n'as plus le droit de se marier. Bato non so ba divorcer bazo bala bazo vivre en adultère c'est clair c'est pas moi Boloa qui dit ça c'est la parole de Dieu ou soit tu ne peux pas te marier reste comme ça malgré les vents et marées tu vas me poser bon ba pasteur hein et puis bazo pambola bat mabala c'est la sorcellerie. C'était notre dossier, on va en parler autrefois. Donc voilà un peu dossier Mike Kalamba et Pipeniel, ça c'est mon point de vue. On a besoin de ces frères là. Mike, on a besoin de lui, il connaît ce qu'il fait, il connaît là où il est allé, il connaît ce qu'il a fait, il connaît là où il est entré, il connaît sa relation avec le Seigneur. C'est une occasion pour lui de dire, Seigneur, parle-moi encore, révèle-moi. On a besoin de toi. Tiffin 2020, réalise encore notre album, on va écouter. Donc si ce sont des choses que Dieu voulait vous exposer, Dieu n'a pas la manière de vous exposer. Tu comprends? Dieu a sa plusieurs manières d'exposer les gens. Alors, sujet d'Angézali, Yaye et Monani na public. Hein? Bon, yo salaga na privé. Nana olobela, on a na mona rango. Eh, mbadi, toba nganzambe. Prenons maintenant dossier des commentaires à faire sur Gemma avec tout ça. Donc, mon numéro est là, mon numéro WhatsApp est là. Commentez, appelez, ne m'insultez pas. Donne-moi des propositions, donne-moi des sujets, donne-moi ton point de vue. N'est-ce pas, si tu es d'accord ou contre, tant mieux. Je suis habitué à cela, mais ça, c'est je donne mon avis. Donc, j'analyse tous ces effets pour que nous puissions grandir, nous, les Congolais. Vous comprenez? Les Kambali, là, il y a un couple là-bas, tout coco, tate. Je connais un couple que j'encadrais. Bah, écoutez, il y a un problème ébélé. Bah, kabouana koutou. Kende, mobali, yozandumba, yozaboza violent. Bah, kabouana. Après 10 ans, je te dis aujourd'hui, célèbre leur 4e année. Donc, bandeli marèche na bango à zéro. Donc, mambali bala est un domaine très sensible. Sono bala te vanda kimia. Peso lingo bala, il faut s'apprêter. Hein? Chercher des conseils comme ça, tu puisses bien s'apprêter. Ok. Donc, voilà un peu concernant le dossier Mike et Peniel. Alors, quand il s'agit maintenant concernant Eliane et Pasteur Moïse Mbille, chers amis internautes, bande quoi Congo Dialogue. Dossier est très sensible.